La Pentecôte. Viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père. Nous lisons cela dans Jean 15, 26. Avec ces paroles, Jésus promet aux disciples l'Esprit Saint, le don que nous fêtons aujourd'hui en cette fête de Pentecôte. Il en parle en utilisant une expression particulièrement mystérieuse. Jésus appelle cela le paraclet. Méditons sur ce mot qui n'est pas facile à traduire parce qu'il contient plusieurs significations. Paraclet, en substance, veut dire deux choses, le consolateur et l'avocat. Le paraclet, l'Esprit Saint, est le consolateur. Nous tous, spécialement dans des moments difficiles comme ceux que nous traversons, nous cherchons des consolations. Mais souvent, nous recourons seulement aux consolations terrestres qui s'estompent vite. Ce sont des consolations d'un moment. Jésus nous offre aujourd'hui les consolations du ciel, l'Esprit, le consolateur souverain. Quelle est la différence? Les consolations du monde sont comme des anesthésiants. Elles donnent un soulagement momentané, mais elles ne soignent pas le mal profond que nous portons à l'intérieur. Elles détournent, elles distraient, mais ne guérissent pas à la racine. Elles agissent en superficie, au niveau des sens et difficilement au niveau du cœur. Ce sont des drogues et nous en prenons tellement aujourd'hui. Parce que seul celui qui nous fait sentir aimés tels que nous sommes donne la paix du cœur. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu fait ainsi. Il descend à l'intérieur, car l'Esprit agit dans notre esprit. L'Esprit Saint, l'amour de Dieu, vient transformer et murmurer, chuchoter ce qui est essentiel dans notre esprit. Il visite jusqu'à l'intime de notre cœur, comme l'hôte très doux de nos âmes. Il est la tendresse même de Dieu qui ne nous laisse pas seuls, parce que rester avec celui qui est seul, c'est déjà le consoler. Mon frère, ma sœur, si tu sens l'obscurité, la solitude, si tu portes à l'intérieur une pierre qui étouffe l'espérance, si tu as dans ton cœur une blessure qui brûle, si tu ne trouves pas la sortie, ouvre-toi à l'Esprit Saint. Saint Bonaventure écrivait: là où il y a une plus grande affliction, il apporte une plus grande consolation. Non pas comme le fait le monde dans la prospérité, console et flatte, mais dans l'adversité, se moque et condamne. Ainsi fait le monde. Ainsi fait surtout l'esprit ennemi, le diable. D'abord, il nous flatte et nous fait nous sentir invincibles. Des flatteries du diable qui augmentent la vanité. Ensuite, il nous jette à terre et fait sentir que nous sommes mauvais. Il joue avec nous. Il fait tout pour nous abattre, alors que l'Esprit du ressuscité veut nous relever. Regardons les apôtres. Ils étaient seuls, tristes, peureux, perdus. Ils se tenaient enfermés par peur, dans la crainte, et avaient devant les yeux toutes les fragilités, toutes leurs fragilités, tous leurs échecs, tous leurs péchés. Ils avaient tous renié Jésus. Ils avaient tous disparu dans la nuit. Ils avaient eu peur. Les années passées avec Jésus ne les avaient pas changés. Ils étaient restés les mêmes. Puis ils reçoivent l'Esprit et tout change. Les problèmes et les défauts restent les mêmes et pourtant ils ne les craignent plus. Ils ne craignent même pas ceux qui veulent leur faire du mal. Ils disent: mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils se sentent consolés intérieurement et veulent reverser extérieurement cette consolation de Dieu. Auparavant, apeurés, et maintenant, ils veulent témoigner l'amour reçu. Mais ils ne peuvent pas ne pas témoigner l'amour reçu.
Malheur à moi si je n'évangélise pas, si je ne dis pas qui est Jésus, si je ne dis pas qui est Dieu pour moi. Alors, Jésus l'avait prophétisé. L'Esprit rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez me rendre témoignage. C'est dans Jean 15, chapitre 15, versets 26 à 27. Avançons un peu aussi. Nous avons dit que l'Esprit est consolateur. Nous venons de parler du consolateur. L'Esprit est paraclet. Le paraclet l'Esprit est consolateur et l'Esprit est aussi défenseur. Mais avant d'arriver là-bas, rappelons que la proximité et la compassion dont il est question, que l'Esprit nous offre, est appelé à nous transformer, à devenir aussi paraclet, c'est-à-dire des consolateurs. Oui, l'Esprit nous demande de donner corps à la consolation. Comment arriver à cela? Non pas en faisant de grands discours, mais en nous faisant proches. Non pas avec des paroles de circonstance, mais avec la prière et la présence. La présence. Parfois un coup de fil où notre voix se fait sentir, une présence où nos mains touchent, tranquillisent, calment. Voilà l'Esprit Saint qui agit, qui se sert de nous. Rappelons-nous que la proximité, la compassion, la tendresse, c'est là le style de Dieu. Depuis toujours, le Paraclet dit à l'Église qu'aujourd'hui, c'est le temps de la consolation. C'est le temps de la joyeuse annonce de l'Évangile, plus que le temps de lutter contre les païens, contre les sectes. Non, ce n'est pas ça le travail de l'Église. C'est aller consoler. Notre travail, ce n'est pas aller combattre les idéologies du monde, c'est d'être consolateur. L'Esprit Saint, comme je disais, est aussi est paraclet, c'est-à-dire avocat. Dans le contexte historique de Jésus, les avocats ne travaillaient pas comme aujourd'hui parce que dans les procès modernes, l'avocat prend la parole à la place de l'accusé. Au temps de Jésus, l'avocat restait à côté de l'accusé et lui suggérait les paroles qu'il devait prononcer pour gagner son procès. Donc, le paraclet fait ainsi, c'est l'esprit de vérité qui ne prend pas notre place, mais nous défend contre les mensonges du mal en nous inspirant les pensées et les sentiments. Et il le fait avec délicatesse, sans nous forcer. Il se propose, mais ne s'impose pas. L'esprit de mensonge, le malin, fait le contraire. Il cherche à nous contraindre. Et il veut nous faire croire que nous sommes toujours obligés de céder à ses suggestions mauvaises et aux pulsions des vices. Essayons donc d'accueillir trois conseils typiques du Paraclet et de notre avocat. Ce sont trois antidotes fondamentales contre plusieurs tentations aujourd'hui très répandues. Le premier conseil de l'Esprit Saint est habite le présent. Le présent, pas le passé ou l'avenir. Le Paraclet affirme la primauté d'aujourd'hui contre la tentation de nous laisser paralyser par les amertumes, par la nostalgie du passé, de nous concentrer sur les incertitudes et de nous laisser obséder par les craintes pour l'avenir. L'Esprit nous rappelle la grâce du présent. Il n'y a pas meilleur pour nous que maintenant, là où nous sommes. C'est le moment unique. Le moment présent est unique, irremplaçable, pour faire le bien, pour faire de la vie un don, pour faire de la vie un bonheur. Voilà, maintenant. Puis le Paraclet conseille, cherche le tout et non la partie. L'Esprit ne façonne pas des individus fermés, mais nous fonde en tant qu'Église dans la variété multiple des charismes. Le tout et non. L'Esprit, le paraclet, l'avocat affirme la primauté du tout. Dans le tout, la communauté dans la communauté, l'Esprit préfère agir et apporter la nouveauté. Regardons les apôtres. Ils étaient très différents parmi eux. Ils étaient très différents. Nous avons Matthieu qui est le publicain, collaborateur des Romains.
Nous avons Simon le Zélote qui les combattait. Mais Jésus les met ensemble. Et que vous comprenez qu'avec l'Esprit Saint, ce que nous appelons opposants et partis peuvent marcher ensemble. Jésus a marché avec eux pendant 3 mois, avec le publicain et le publicain collaborateur du colon et le zélote combattant des maquisards, combattant des collaborateurs et des colons. C'est là l'esprit du tout, il rassemble. Enfin, le troisième grand conseil, l'esprit met Dieu avant moi. Et c'est ça le pas le plus décisif de la vie spirituelle, qui n'est pas une collection de nos mérites et de nos œuvres, mais l'humble accueil de Dieu. L'esprit, le paraclet, affirme la primauté de la grâce. La grâce, pas d'abord mes mérites. C'est seulement si nous nous vidons de nous-mêmes, c'est quand nous nous vidons que nous laissons place au Seigneur. C'est quand nous nous laissons briser que le Seigneur fait de nous ce qu'il veut. Que l'Esprit nous transforme et nous rend agréable à Dieu. Et alors, nous comprenons que l'Église n'est pas une organisation humaine. Elle est humaine, mais elle n'est pas seulement une organisation humaine. L'Esprit, l'Église, c'est le temple de l'Esprit Saint. Jésus a apporté le feu de l'Esprit sur la terre et l'Église se réforme avec l'onction, la gratuité du don, de la grâce, avec la force de la prière. Esprit Saint, Esprit consolateur, console nos cœurs. Fais de nous des missionnaires, des avocats. Fais de nous des consolateurs. Esprit Saint, viens dans ma vie. Amen.